Yo les gars, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau décor aussi. Là maintenant, je vais tourner toutes les prochaines vidéos, review et de ce nouveau format directement ici, dans le shop. Donc ça c'est cool, j'espère que ça va vous plaire. Et du coup, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais concevoir la trotte du mois de décembre avec... Yo. Lisandre Lacroix, nouveau rider du Team Bullback Shop. Il nous vient tout droit de Lyon et... Je pense que ça va être une trotte un peu... Full park. Voilà. Full park. Comme mon style de ride. Voilà, ça va être bien. Énervé. Donc, j'espère que vous allez kiffer. Elle sera dispo sur le site. Et vous verrez tout ça dans quelques minutes. C'est parti. Ok les gars, du coup, pour cette trotte du mois full park, je vais vous proposer le deck Triade Psychic Totem en 49,5 de long et 12 de large. Pour la barre... Pour la barre, mesdames et messieurs, nous avons ce joli bébé, une barre Apex qui sort avec un super prix en plus. Moi je kiffe cette barre, hein. Je l'ai ridée pendant super longtemps. Apex pour le parc, c'est bon, bah voilà, hein, tout le monde connaît, hein, c'est quand même la vraie référence. Donc je pense que ça ira très bien. Du coup, pour les roues, les gars, on va partir sur des petites Striker Luxe, hop, avec un joli corps en aluminium et la cerise sur le gâteau. Petite gomme transparente, très agréable, très polyvalent et super robuste pour le parc. Moi je kiffe bien. Du coup, pour la fourche, on va partir sur une Ethic Legion SCSHIC en rouge. Valeur très cher en plus, valeur sûre exactement, ouais. Pour le parc. Très polyvalent. Et pour le jeu de direction, on va partir sur un petit striker des familles avec un prix très attractif. Du coup, ça fait qu'au final, ça va être pas mal. Petit setup énervé, mais pas trop cher. Et en SCS, du coup? En SCS, on va partir sur une classique, hein, un truc valeur sûre. Oh, le petit blunt, Omen. Un petit blunt, SCS noir, exactement. Voilà, SCS, moi, je jure que par le SCS, donc voilà. Ok, du coup, on a oublié un petit truc. Les petites poignées blunt pour terminer ce joli petit montage. Donc pour celui-là, vous allez avoir besoin de deux clés de 6. Je pense que tout le monde en a, hein. C'est les clés de base pour tous les montages. Hop. Vu qu'on est sur un montage SCS, on va avoir besoin de mettre le jeu de direction en premier. Alors pour la partie haute, si jamais ça force un petit peu, voilà, je vous conseille de prendre un peu de graisse. Insérer le jeu de direction et là ça va aller tout seul. Hop. Ouais, voilà, nickel. Hop. Merci. Et là, une jolie petite fourche éthique. Ça va aller tout seul. Right. Ok, du coup, on en est sur le SCS. Donc là, on va l'insérer duc sur la fourche. Éthique, il y a déjà le système de compression, on n'a pas besoin du système de compression du SCS Blunt. Donc là, juste petite vérification. Ouais, voilà. En gros, vu que ma fourche elle arrive au milieu du SCS, il faut que je rajoute un petit spacer. Sinon, le drop test ne va pas faire plaisir aux oreilles et c'est pas ce qu'on veut. Hop là. Voilà. Et là, en termes de longueur, ouais, on est parfait. Comme ça, le système de compression il va pouvoir. Bien compressé. Ok, du coup, on va continuer. On va continuer avec les petits trous. Ça te plaît? Putain, elle envoie, hein. C'est la classe, hein. Ouais, elle est ouf. Elle est ouf. Tu veux terminer le montage? Vas-y. Vas-y, toi le boss, hein. Vas-y, hein. Ok, ça marche. Bon, bah, allez. Du coup, alors, pour la suite du montage, pour les roulettes, du coup, donc les fameuses Striker Luxe. Ensuite la roue arrière. Et voilà.
voilà, quand vos roues sont montées, il n'y a plus qu'à mettre le guidon dans votre SCS, comme ceci, hop, et à serrer le tout. Et voilà les gars, la trotte du mois de décembre est terminée. Voilà, petit setup vraiment bien nerveux, je pense, sous les pieds. T'en penses quoi? Ça a l'air vraiment cool un peu. Ça a l'air vraiment, vraiment énervé. Moi j'aime bien ce genre de trotte en parc parce que c'est hyper réactif. Déjà la barre Apex, bon bah voilà, tout le monde connaît les barres Apex. Puis même en termes d'esthétique, voilà. Puis même rider un deck relativement court en parc, c'est quand même vachement avantageux. Moi j'aime beaucoup. Et bah, il manque quand même les poignées, hein. Donc on va juste terminer de mettre les poignées, étape finale. Hop. Voilà. Moi je trouve qu'elle envoie, hein. Franchement elle est hyper légère, c'est une tuerie, c'est des super marques en plus. On va vous la proposer en plus à un prix super accessible, parce que bon, une barre Apex c'est quand même pas donné, mais celle-là on va vraiment vous la sortir à un super prix, donc pour un petit cadeau de Noël ou quoi. Avec ça je vous apprends à faire des Rebooter Cup si vous voulez, et on va vous mettre le clip. Et voilà les gars, pour cette trotte du mois, voilà, petit setup vraiment bien park, bien cool, bien réactif, à en prendre avec grand soin. Donc au niveau du poids, ce petit bolide va peser 3,8 kg, donc ça reste quand même pas mal, je pense bien nerveux, bien comme il faut, ça va vraiment bien faire le travail. Maintenant au niveau du prix, donc son prix d'origine, elle est à 399,85 €. De poignées offertes, hein, forcément. J'aime bien offrir des poignées, me faire des petits cadeaux chez Bullbag. Vu que c'est le setup pour le mois de décembre, j'ai envie de vous faire plaisir et je vais vous la proposer à 359,99 €. Ça vous permet d'avoir une belle petite économie de fête à ce niveau-là. Si vous voulez vous équiper comme il faut, voilà, ça reste un certain budget, mais quand même, vous aurez un bon setup. Donc cette trotte sera disponible tout le mois de décembre jusqu'au 31. Et après, bah, ce sera reparti pour un tour avec la trotte du mois de janvier. Quelque chose à ajouter? Ouais, moi je trouve que tu m'as dit 3,9 kg. 3,8 kg. 3,8 kg, bah ouais, moi je ride sur une trotte avec 3,6 kg. Donc au final, franchement, mon parc, je kiffe avoir un truc hyper léger, hyper réactif. Et voilà, franchement, c'est vraiment un réel coup de cœur cette trotte. Donc voilà, j'espère qu'elle va vous faire kiffer. Ça a été vraiment un vrai bonheur de faire ce montage avec vous. Et avec. Pas trop du shop quoi, on est là, hein. Et non, vraiment c'était bien cool. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez retrouver bah, du coup toutes les pièces de cette trotte qui vont s'afficher juste ici, bullbackshop.fr. Vous pouvez me suivre également sur Instagram, sur tous les réseaux, hashtag bullbackshop, tu connais. Si on se revoit pas d'ici là, bonne fête de fin d'année. Profitez bien de vos proches, plein de bonheur, plein de bonnes choses. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.